Merci, Monsieur le Président. Non, juste pour dire que nous aurions été prêts à voter pour le rapport, et bien évidemment, si nos amendements avaient été, je dirais, intégrés. Mais au-delà de ça, si simplement le président de l'exécutif avait été au bout de ce qu'il nous a annoncé cet après-midi, à savoir qu'il pense que la bonne option, c'est Portonneau. Il pense aujourd'hui que l'extension n'est pas la bonne solution et que le port de la carbonite n'est pas la solution. S'il avait été au bout de ses idées, qu'il nous avait présenté ce rapport de cette façon, nous aurions voté son rapport. Là, en l'état, nous allons... Même là encore, il n'y a pas une défiance dans l'avancement du dossier, mais on va s'abstenir sur ce rapport définitif tel qu'il a été amendé. Et on regrette de ne pas pouvoir avoir un large consensus sur une vision qui pourtant paraît partagée.